Bilbo found that shiny ring in Gollum's cave of gloom. He never thought that it would turn into a ring of doom. The dragons, Smaug, the spiders too, the goblins, the elven king, they came to know the power of the hobbit and his ring. Et voilà, donc Tagazok noble paysan, je suis Zuriki le mineur, voilà, on reprend tout de suite, posez, hop, putain de merde. Ouf, ok, je voulais vérifier un truc, j'ai vérifié. Et on continue les amis dans ce... putain, ça va commencer à me gaver ça. Dans ce slime, voyez-vous, qui a l'air de toute beauté. Il faut vraiment que j'arrête avec ça, Cyril sort de ma tête. D'accord. On pouvait continuer comme ça, on s'en fout, on tryhard. J'ai cru que c'était... ah ouais, bah c'est pas un raton laveur, mais... voilà. C'est quoi ce sang de nain, là? Enfin, pas de nain, c'est comme insulté. Cassez-vous, là, putain! Bande de trolls! Non. C'est de la casse-couille. Oh la vache. Bon. Voilà. On va casser un petit peu tout ce qu'on a autour de nous. D'accord, j'espère que ça filme. Et on verra un petit peu le seum. Ça filme, c'est très bien, c'est excellent. On apprécie toujours. Bon, je me suis perdu, c'est bien. Bon, ah, on a pris un peu trop de risques. Putain, mais je mets un plomb à mourir, ça c'est comme les cinématiques. Voilà, ça fait plaisir. Putain, n'y va pas. J'ai défoncé mes manettes, bien sûr. Ah, évidemment. Bon. Ah non, et oh. La clé. Ah putain! La clé! La clé! C'est la clé, messieurs! Oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et c'est reparti! Même le jeu veut que je réussisse. Par contre, mon corps, il en a plus rien à foutre. Non, non, c'est le roi sorcier qui a fait des sorts comme ça, non, parce que, waouh, mec, tu compliques là la vie. Bon. Ok, c'est volontaire. Ça ira peut-être plus vite.
Ah, c'est bon. Voilà. Le jeu a pitié de moi, il me fait un sourire, il me dit bonjour. Bon, ensuite, hop. Ok, oula, petit rame, ok, hop, je passe. Là, je me prépare. Mais sire, la clé! La clé, messire! M'en fous, je regarde. Fuck you! Very much! Bon, ce coup-ci, on a la clé, mais maintenant, faut aller où? Pénèse. Laissez un noob jouer à un jeu, il ne trouvera jamais la sortie. L'entrée. Le truc. Est-ce que c'est faisable? Oh punaise! Oui, enfin! Ah non. Toi-même, tu connais déjà Nigo. Donc on est des Nigo, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Pour s'enrichir toujours. Toi bien, tu connais le plan. Est-ce qu'on est juste nul ou est-ce qu'on a vraiment de la merde dans les yeux? Voilà, ça fait plaisir. Non, mais on arrive où là? Ok. Bon. Est-ce qu'on verrait le bout de cet épisode? Allez. Ah. Voilà, ça fait plaisir. Un petit coffre simple. Allez. Quelle épée magnifique, avec des runes elfiques. Un canif pour un troll, mais la taille parfaite pour un hobbit. Mais je dois te donner un nom. Je sais. Je te donnerai un nom et je t'appellerai Dar. Bientôt, la compagnie atteignit Foncombe, patrie des elfes. Elrond leur parla d'une entrée secrète dans le repaire du dragon. Une porte qui ne se dévoile qu'au coup donné par un oiseau, une grive. Après un peu de repos pris à Foncombe, ils se dirigèrent vers les monts brumeux. De nombreuses créatures maléfiques et dangereuses les attendaient, comme les géants des montagnes et bien pire. J'ai envoyé Fili et Kili rechercher un abri. Voulez-vous bien aider Beaufur à allumer ce feu? Eh ben, pas. Oh putain! D'accord, ok, ça c'est un ravin, très bien. Bon, bah pas aujourd'hui en tout cas. Le gros bon buré là, on va y parler tout de suite. Et je vous dis à plus tard pour le prochain épisode. Allez, Dwaline!